que ce que tu as appris soit des choses que tu as emmagasinées et qui constituent en fait toute la mémoire dans laquelle tu réitères au présent tout ce que tu as appris. Donc, tout ce que tu es en tant qu'être humain, à ce moment-là, n'est que la copie de ce que tu as été hier. Il y a pourtant une émergence, un flux dans la conscience humaine qui coule. Elle coule à travers toi. Mais ce toi que tu es est un parasite. Parce que tu as toute l'information de ce que tu as été et tout ce flot qui est instantané, qui est une information innée. Elle est innée même avant que le temps existe. Elle existe déjà depuis avant toutes les mémoires. Elle est ce qui est. Et ce flux-là, si tu le laisses être, alors tout ce que tu sais en tant que toute la réussite, tout ce que tu as appris, tout ce que tu as acquis, pourrait l'empêcher d'émerger. Nous, dans notre société, la plus grande difficulté, c'est de ne pas brimer cette émergence. On la brime pourquoi? Parce que nous avons des choses déjà acquis et que nous voulons absolument les garder, absolument les répéter, absolument se faire valoir à travers tous ces acquis. Donc, il y a un récipient là qui est plein et qui ne peut pas laisser ce qui est présent de passer. Tout ce que tu es en tant qu'acquis empêche cette émergence. Il faut comprendre que on empêche cela parce que nous pensons. Et ce que nous pensons est important. Et ce que nous pensons est attribué à ce que je suis. Donc je suis, c'est ce que j'ai acquis. Je suis, c'est celui qui a été formé, forgé, à travers toutes les expériences que tu as eues. Et non seulement tes expériences à toi, mais aussi les expériences de tes aïeux, que tu as répété, et ce que nous faisons, nous répétons tout le temps nos habitudes et nos train-train qu'on ne veut pas perdre, parce que c'est eux qui te donnent en fait l'existence. Ce que tu es est l'existence que tu as, ce que tu es en tant qu'acquis, en tant que mémoire. Si tu n'avais pas de mémoire, tu ne dirais pas « ça c'est mon pays, ça c'est ma voiture, ça c'est mon papa, ma maman ». Tu n'aurais rien, rien pour, sur quoi te tenir dessus. Donc, il faut réaliser que cette mémoire, elle est celle qui fait que tu es soutenu par ça. Mais en réalité, si la mémoire n'est pas là, il y a quelque chose d'autre. Avant que la mémoire fût, il n'y avait pas le temps. C'est-à-dire parce que la mémoire, c'est le temps qui l'a produit. Le temps de ce que j'ai accompli, les expériences que j'ai eues, je les mémorise. Et puis, je les restitue
La restitution de tout ça crée le temps, crée hier, aujourd'hui et demain. Demain, dans la projection de tout ce que j'ai appris. Et c'est comme ça qu'on vit, la plupart d'entre nous. C'est qu'on est tout le temps en train de projeter quelque chose que l'on a appris et que l'on pense qui nous donnera un peu de gaieté, un peu de joie. Donc on se projette dans des projets pour sortir de la médiocrité, d'une vie qui se répète tout le temps. Cette vie n'est pas vraie. Cette vie, elle est fausse parce qu'elle a été copiée. C'est ce que tu as acquis et que tu réitères. Ce sont les références de ton passé avec lesquelles tu existes en tant que moi. Moi, c'est justement ce paquet de passé qui se restitue devant les événements présents. Et devant ces événements présents, tu ne sais quoi faire si tu n'avais pas ce passé, les références. Et avec ces références, tu réagis. Donc tu réagis par rapport à ton passé. C'est une mémoire qui a été rendue vivante. Parce que celui qui veut exister, c'est la continuation de tout le plaisir qu'il y a eu avant. Donc la mémoire, c'est l'entité que tu appelles moi, qui a eu du plaisir, qui a eu tout ce passé et toute cette vie, et qu'il a acquise, qu'il a aimé, qu'il a chouchouté, et maintenant il ne veut plus s'en débarrasser. Donc ce mouvement dans le temps se perpétue. Et à cause de ce mouvement dans le temps que l'on est, que l'on a, on s'est identifié avec ça, ça fait que ce qui se passe dans l'émergence de maintenant, c'est-à-dire ce qui a toujours existé, l'information qui était là avant que la mémoire existe, avant que le temps n'apparaisse, il y a eu une information, l'information de tout ce qui est. C'est-à-dire ce qui est, ce qui a été produit par rien, a émergé et elle est rentrée dans le temps. Et c'est là que tu as commencé à mémoriser. Autrement, il n'y a pas le temps. Le temps, c'est nous qui le faisons parce que nous voulons arriver quelque Alors part. que La vie n'a pas de but. Elle n'a pas de commencement, elle n'a pas de fin. L'éternité, elle n'a pas de nulle part où dire que je commence ou je finis. Et tout ça fait de toi quelqu'un qui est toujours dans les acquis d'une habitude que tu as acquise et que tu veux répéter parce que autrement, l'infini pour toi est quelque chose de trop immense et tu veux le garder de côté. Tu veux t'accrocher à ce que tu as appris. Mais ce que tu as appris par rapport à toute l'immensité n'est pas quelque chose de qui t'émerveille. Parce que c'est de la répétition. C'est toujours la même chose. Le train-train, les habitudes. Et puis tout ça se rejoue et rejoue toute une vie jusqu'à ce que tu mettes le pied dans la tombe. Et là, ici, on parle de celui qui a envie d'aller voir ce qu'il y a au-delà de ses peurs, de ses habitudes, au-delà des sentiers battus, au-delà de tout ce qu'on a acquis, de tout ce que l'on a fait, de tout ce qu'on en a compris, nous les êtres humains. Parce que ce que tu as compris, justement, à cause de cette référence que tu as du passé, est limité. Limité parce que tout ça vient du passé. Et
on ne peut pas comprendre l'immensité. Le passé est toujours quelque chose où tu dois apprendre encore demain pour pouvoir faire en sorte que tu comprends un peu plus. Donc c'est limité. Au moment où tu existes à travers tes acquis, ce que tu es est quelque chose de fini, qui n'est pas, qui n'a pas une perception élargie de ce que tout est. Et tout, c'est quelque chose qui n'a pas de temps. Tout, ça se comprend seulement quand le temps n'est pas. Tout, ça se comprend seulement quand on n'est plus dans l'habitude et l'étreintement. Quand la perception sort des sentiers battus. Alors, il y a quelque chose d'immense. Il y a quelque chose d'émerveillant. Et tout ça, ça se trouve au-delà, bien sûr, de nos peurs, parce que nos peurs nous font garder les références de ce que nous savons. Et on combat bec et ongles pour ne pas sortir de ses habitudes, le monde que tu as aujourd'hui. Et comme ça, tout le monde répète, tout le monde fait toujours la même chose, on pense faire d'autres choses. Mais il n'y a rien de nouveau. Il n'y a rien d'émerveillant. Il n'y a que quelque chose que tu vas répéter, qui va sembler être nouveau parce que tu es illusionné par l'apparence de la chose que tu vas voir. Et au bout, il y aura déception. Parce que, en fait, tout ce que l'on répète retourne au connu de ce que nous avons acquis. En fait, ce sont nos désirs que l'on poursuit. Et ces désirs nous donnent une déception parce qu'on s'aperçoit qu'il y a au bout une insatisfaction. On n'est pas plus comblé avant que après. Donc il nous faut, dit-on, on a besoin de ce temps pour arriver quelque part, pour faire jaillir un progrès, pour sortir des sentiers battus. On a besoin du temps. En attendant, tu marches quand même dans les sentiers battus, parce que tu ne veux pas sortir. Tu attends, tu es dans l'attente que quelque chose arrivera qui te fera sortir de là. Mais en fait, ce n'est que le leurre de ton existence qui te dit qu'il y aura quelque chose au bout, puisque c'est ta projection, ta propre projection, qui t'emmène à vouloir gagner quelque chose. Et ce quelque chose t'émerveille, t'hallucine, et tu le poursuis, ne sachant pas que ce que tu poursuis est ton propre désir. Donc on est tous leurrés par la pensée qui est la nôtre. Et la pensée, c'est un courant qui habite la conscience humaine et qui est la chose qui nous connecte tous ensemble. Nous sommes tous interconnectés par les mémoires de nos aïeux et les expériences que nous faisons aujourd'hui, et nous les répétons. Nos générations les répètent parce qu'on leur a donné toutes les informations qu'il fallait. Et en fait, le monde ne va pas sortir de ce connu. Tout est enclenché dans un mouvement déjà établi, déjà ordonné, qui est un programme d'une norme établie qui doit être respectée. Voilà pourquoi il est nécessaire de comprendre ce qui se joue au-delà de tout ça, au-delà de toute la compréhension qu'il y a dans tout ce que l'on a acquis. Parce que ce que l'on a acquis nous ferme la porte vers un état d'esprit où il y a quelque chose qui coule sans que cela soit brimé
Parce que ce sont nos acquis qui le briment. On ne veut pas le laisser passer. Parce que c'est quelque chose qui va déranger tout ce qu'on a acquis. Tout le connu que l'on a doit être remis en question si on le laisse être. C'est pour ça, la plupart d'entre nous, on ne veut pas entendre ce qui est dérangeant, ce qui est vrai, ce qui est au-delà de notre propre petite compréhension, de notre petit univers. Donc on ne veut pas explorer au-delà de ce qu'on croit qui nous donne la sécurité. Cette sécurité, elle est fausse. Il n'y a pas de sécurité. La sécurité que tu penses avoir, elle est le résultat de tous tes acquis que tu as pu garder et que tu as pu te valoriser avec et faire de toi ce que tu es. Et ce que tu es est l'apparence de cette illusion que tu cherches à atteindre. Tu cherches à devenir ce qui aura de mieux. Tu cherches à évoluer ce moi qui est un paquet de mémoires qui, à tout prix, tu as envie que ça change. Donc, le changement de cette entité, en fait, est tout simplement un désir d'une illusion de soi qui doit exister dans le futur. Donc on dit « je travaillerai sur moi, je ferai des efforts, je ne suis pas comme ça aujourd'hui, mais demain je serai bien. Je suis violent aujourd'hui, demain je serai mieux. » Donc on se donne l'espoir que tout ce que nous avons, nous nous sommes identifiés, à cet être qui est le résultat du passé, comme nous nous sommes identifiés à cela, alors tout cet être qui s'appelle l'ego veut évoluer et toujours il cherche à être mieux, mieux, mieux et mieux, à se valoriser encore plus, et jamais, jamais le résultat est probant, parce qu'il y a toujours la déception. La déception qui est latente parce que nous sommes toujours dans cette expectative de gagner quelque chose. Et de quoi qu'il en soit, que tu aimes ou pas, il y aura de la déception. Parce que ce que le passé est, restera le passé. Ce que, en quoi tu t'es identifié sera toujours la même chose. Cette identité doit être abandonnée. Est-ce que tu peux te défaire de ce à quoi tu t'es identifié, de toutes ces pensées, de toute cette rêve, de tout ce rêve que tu as eu, de toute cette ambition que tu as de réussir pour avoir une vie meilleure, un lendemain meilleur. C'est peut-être là que tout est. C'est en ne faisant plus rien. Alors, ce que tu es peut prendre place. En cessant cette activité de vouloir grandir, de vouloir être fort, de vouloir être mieux, à ce moment-là, tu laisses ce qui est être. Parce que ce qui est, cette immensité, cette grandeur, cette émergence qui sort de toi et qui coule, quand elle n'est pas brimée, quand elle n'est pas interférée par ce que la pensée propose, elle coule naturellement, avec grâce. Elle ne force pas le chemin.
Elle est là seulement quand le vide se fait. Elle est là seulement quand le silence des pensées nous touche. Elle est là quand tu cesses de croire que tu es celui qui doit devenir. Il n'y a rien à devenir. Et tout ça nous empêche d'être nous-mêmes. Parce que nous sommes dans l'attente.